RMC, 6h-10h, Bourdin Direct. RMC, Bourdin Direct. 8h16 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Hugo Bernalicis, député France Insoumise du Nord. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Muriel Pénicaud a donc touché 1,13 million de stock options quand elle était chez Danone. Elle a été interpellée par une sénatrice communiste hier au Parlement et voilà ce qu'elle répond. La seule chose que je veux dire ici, très fermement et avec force, c'est qu'il s'agit d'une rémunération décidée des années avant le plan de départ volontaire, qui est un plan de départ volontaire. Donc, par démagogie, commencer à laisser interpréter autre chose que les faits me semble hors du champ, qui est la discussion sereine qui doit avoir lieu au Sénat. Alors effectivement, il n'y a rien d'illégal dans tout ça, hein, Hugo Bernalicis, puisqu'elle avait le droit de vendre et donc de réaliser cette plus-value. Qu'est-ce qui vous choque ? Ce qui est choquant, c'est qu'on puisse gagner 80 années de SMIC en un claquement de doigts. Et au final, les stock options, c'est censé être quelque chose d'attractif pour les salariés, pour essayer de booster l'entreprise et justement avoir un retour sur investissement. Mais elle avait le droit de le faire. Oui, elle avait le droit de le faire, mais là, qu'est-ce qu'on valorise ? Qu'est-ce qui a été valorisé là ? S'il faut bien regarder deux secondes, c'est le fait d'avoir fait un plan de licenciement, d'avoir réussi à licencier correctement des gens, qui fait que Madame Pénicaud arrive à faire une plus-value d'un million. Qu'entre-temps, du coup, l'action est remontée. Mais dans le même temps, dans l'hémicycle, elle nous explique que licencier, améliorer les facilités de licenciement, ça permet d'embaucher des gens. C'est ça qui nous explique sur les ordonnances, sur le code du travail. Donc d'un côté, on nous dit ça, et en fait, on se rend compte que la finalité pour faciliter les licenciements, c'est pas plus d'embauche. C'est plus de rémunération des stock options. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On change le modèle ? On arrête avec les stock options ? Oui, moi je suis pour qu'on arrête avec les stock options. C'est complètement indécent. Indécent et immoral. Y compris pour ceux qui en auraient vraiment besoin, touchent des petites sommes. Oui, mais il y a d'autres moyens de rétribuer les salariés que les stock options quand même. J'ose espérer qu'il puisse y avoir des primes de fin d'année ou tout simplement augmenter les salaires. Donc il n'y a pas que les stock options. Meilleure distribution des rémunérations. Partage de la richesse au sein de l'entreprise et au sein du pays, évidemment. Vous dites donc qu'il faut supprimer parce que c'est immoral. En tout cas, c'est l'image que ça donne. Oui. Et puis, vous l'avez vu, on est en pleine loi sur la confiance dans la vie publique, sur la moralisation. Quelle image on renvoie avec tout ça ? Quelle image on renvoie ? Peut-être, mais je veux pas faire de procès d'intention auprès du gouvernement, mais quand on voit qu'on a un mal fou à étendre les dispositions qui sont mises en œuvre pour les parlementaires dans cette loi sur la moralisation, de l'étendre aux membres du gouvernement, bon, on se dit ça fait beaucoup quand même. Ça commence à être étrange, toute cette situation. Donc, vraiment, ça donne un très, très, très mauvais signal. Muriel Pénicaud, elle n'a pas que cette affaire qui la poursuit. Elle en a une autre qui est beaucoup plus avancée, puisqu'il y a une enquête préliminaire concernant le fait qu'elle ait pu être informée quand elle était chez Business France, du coup, et des modalités d'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas, à l'époque où il était à Bercy. Vous pensez que, avec ces affaires qui se multiplient, elle peut jouer le rôle de fusible, oui, la ministre ? Clairement, moi je vois ça comme écrit par avance, ce scénario. On avait le président des riches, maintenant on a également le gouvernement des riches, et on se rend compte effectivement qu'avec Attendez, vous parlez d'Emmanuel Macron qui vient de nationaliser STX ? Ah mais attendez, heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il y a encore un peu d'intérêt général dans l'esprit des gens qui nous gouvernent. En même temps, c'est quand même d'intérêt national, cette chose-là. Mais vraiment, à un moment donné, ça fait deux affaires. On voit bien arriver les choses concrètement. C'est-à-dire qu'on va se mettre en manifestation au mois de septembre contre les ordonnances sur la loi travail, le 12 septembre d'abord, puis le 23 septembre. Et vous verrez que Madame Pénicaud sera remerciée dans la foulée, ce qui permettra de contenter le mouvement social et puis d'éteindre un peu toutes ces affaires. Dites-moi, vous étiez, je crois, à l'Assemblée cette nuit, enfin une partie en tout cas. Vous avez quitté avec votre groupe France Insoumise l'hémicycle. Pourquoi ? C'est vraiment le bazar ? Oui, honnêtement, c'est vraiment le bazar. C'est pas des conditions acceptables. Déjà, la procédure accélérée, ça rend les choses compliquées sur des textes aussi denses. Et ensuite, ça faisait la quatrième fois de la journée qu'il y avait des votes qui étaient un peu limites. Où les gens se réveillent pas, se trompent de vote, on revote, etc. Bon, là. Et la chemise de François Ruffin, c'était pas limite. Non, mais c'est ridicule, ça. Il y a d'autres personnes dans l'hémicycle qui sont en chemise, qui des fois la remettent dans leurs pantalons, etc. On leur dit rien. Non, ça c'est pour amuser la galerie. Clairement, on a un problème. Vous vous imaginez que on vote à main levée dans l'hémicycle, et donc ça va super vite. On demande juste à revoter parce qu'il y a doute.
et on nous envoie paître. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on n'est même pas sûr de savoir ce pour quoi on vote, à quoi bon être dans l'hémicycle? Enfin, sérieusement, on vote la loi du pays. On n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans Game of Thrones ou je sais pas quoi. On est en train de voter la loi du pays. On demande à revoter, ça prend 2 minutes et ça finit par une discussion de 20 minutes, savoir s'il faut revoter ou pas. Moi qui suis jeune, j'avais l'impression d'être en âge étudiante. Bon, c'est une grosse blague tout ça. Ouais, il va falloir resserrer les boulons à l'Assemblée. Merci Hugo Bernalicis d'être venu nous dire ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale et commenter effectivement l'actualité. Il est 8h22.